Bienvenue, bonjour. Bonjour, on commence dans 1 minute. Juste 1 minute. On va commencer par répondre à des questions d'abord. Des questions qui m'ont été posées à la suite du dernier webinaire. On va appeler ça les 15 minutes. Le quart d'heure, n'est-ce pas, pour les questions antérieures. Donc, je vais répondre à ces questions-là. Il n'y en a pas beaucoup. Le temps donc que les autres puissent nous rejoindre. Et puis, on va commencer. Voilà, bonjour à tous. Voilà. Dans 1 minute, je vais commencer à répondre à vos questions. Je vous suggère de prendre un stylo et puis une feuille hein, pour pouvoir prendre note. Et puis n'hésitez pas vraiment à me poser des questions parce que après cette série de formations et puis le webinaire là, sur la gestion des projets, voilà, on va passer à autre chose, quoi. On va parler du métier de consultant, on va parler de la passation des marchés, c'est-à-dire comment gagner des marchés. On va vraiment parler d'autre chose. Voilà, on aura fini avec la question de la gestion des projets. Et donc, il faut poser des questions. C'est le moment d'en profiter, quoi. Je pense qu'il faut en profiter. Ok. Voilà, merci pour votre patience. J'ai reçu des questions auxquelles donc je vais répondre. Le temps que. Je pense que voilà, ça va être un peu comme le bonus pour ceux qui viennent à l'heure en fait. Voilà, je vais m'assurer qu'on m'entend. Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Quelqu'un peut répondre pour je voudrais m'assurer qu'on m'entend. Et puis, on va commencer par répondre à des questions qui ont été posées. Et comme je le dis, ça va être un bonus pour vous qui êtes à l'heure. Hein, une prime à la ponctualité. Ok, Mohamed me dit que on m'entend parfaitement. Une deuxième confirmation, quelqu'un d'autre peut me dire? Si on entend parfaitement. Ok, merci Maloma. Ok, très bien. On va donc, bienvenue à tous. Je suis Adama Bamba, pour ceux qui sont nouveaux sur la page. Alors, je vais, comme je le dis, répondre à des questions pour que ceux qui sont à l'heure donc puissent avoir au moins un plus par rapport à ceux qui sont en retard. Alors, il y a une dame de Madagascar qui s'appelle Natacha. Qui a posé beaucoup de questions, mais je vais prendre peut-être deux ou trois. Donc, je vais répondre souvent à des questions comme ça. C'est-à-dire, dès qu'il est l'heure 16h, on commence, on répond à ces questions. Si vous en avez aussi, n'hésitez pas à les poser, aussi bien dans ce commentaire que inbox. Je vais donc les récapituler pour pouvoir répondre pendant 15 minutes, avant qu'on entame l'ordre du jour. OK? Alors. Donc, elle demande, est-ce qu'il y a un moment opportun pour soumettre des projets au bailleur? Ou bien est-ce que c'est le bailleur qui sort un appel à projet? Donc, on a vu ensemble tout le processus, n'est-ce pas, de préparation du projet. Donc, depuis l'identification, la conception, la préparation, la négociation. La négociation, la signature, la mise en vue, on a vu les différentes étapes. Okay? Les 11 étapes donc, de la préparation, on a vu aussi, je crois, les 4 étapes de la mise en œuvre. Alors, sa question, est-ce qu'il y a un moment opportun pour soumettre des projets à un bailleur? Ou alors, est-ce que c'est le bailleur qui lance, n'est-ce pas? Elle a dit, bon, qui sort un appel à projet. Je ne sais pas si elle est là actuellement, mais elle s'appelle Natacha. Elle est à Madagascar. Alors, j'ai retenu la question parce qu'elle est importante.
Comme je l'ai dit, il y a plusieurs catégories de bailleurs. On a vu la dernière fois les bailleurs multilatéraux, les bailleurs bilatéraux. Donc, vous avez très souvent des bailleurs, notamment les bilatéraux, qui font des appels effectivement à projets. La coopération canadienne en a fait il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est l'Union européenne aussi qui en a fait. Même l'Union africaine le fait. Donc, vous avez un certain nombre de bailleurs comme ça qui font des appels à projets, mais qui s'adressent essentiellement aux organisations non gouvernementales. Vous avez bien sûr qu'ils lancent aussi, ce n'est pas seulement pour les organisations non gouvernementales, mais aussi pour les États, quand c'est des petits financements. Donc, si vous êtes une ONG ou bien même vous êtes une collectivité territoriale, vous allez sur les sites de ces différentes structures-là, de ces différents bailleurs, on va dire ça comme ça, ces institutions, et vous allez voir un peu que très souvent, ils font des appels à projets avec des templates à remplir, donc des formulaires à remplir, avec des calendriers de soumission. Donc, à ce moment précis, vous pouvez faire vos soumissions. Ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, les projets qui sont financés par les bailleurs. On les a cités dans la vidéo antérieure, donc je ne vais pas chaque fois les citer. Très souvent, ces projets-là font appel aussi, font des appels à projets. Surtout lorsqu'il s'agit de recruter des ONG à qui donc on va accorder des subventions pour mettre en route des activités et atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc très souvent, il y a des appels, n'est-ce pas, à projets qui se font par les unités de coordination financées par la Banque mondiale, la BAD, l'AFD, voilà, tous ces bailleurs qu'on a eu à citer. Parce qu'il y a des prestations qui ne peuvent être faites que par des ONG ou par des associations, okay, des organisations associatives. Donc très souvent, ces projets-là, ces unités de coordination font des appels, ça est dans les journaux de grand tirage, ou bien très souvent, c'est repris d'ailleurs sur le net. Donc, pour vous dire qu'effectivement, il y a souvent des appels à projets. Même pour ce qui est, on va dire, des gros bailleurs, pour ce qui est des gros bailleurs, surtout les financements, les projets à être financés par les États et les collectivités, les bailleurs comme la Banque mondiale ne font pas d'appel à projet. Ce sont les ministères qui, en fonction du cadre d'assistance pays qui a été convenu entre le pays et l'institution de financement, par exemple, dans ce cadre-là, on dit que sur tel nombre d'années, telle institution va financer tel axe, tel domaine, ainsi de suite. Au niveau de l'agriculture, au niveau de ceci, au niveau de ceci, voilà, ainsi de suite. Et donc, c'est en tenant compte de ce cadre d'assistance pays et, je l'ai dit, du plan national de développement, n'est-ce pas, du pays, que les ministères donc élaborent leur projet, et j'ai précisé les étapes, ok. Donc, c'est en ce moment-là qu'une fois préparé, vous allez suivre tout le processus que j'ai à définir pour qu'on soumette, on fasse des soumissions au bailleur et puis après le bailleur intervient au stade donc de l'évaluation ex ante. Donc il y a une vidéo sur toutes les étapes. Donc pour répondre à la question de Natacha de Madagascar, il y a quelquefois des appels à projets, donc ils sont dans les journaux de grand tirage, repris sur le net, notamment Facebook. Il y a aussi l'autre possibilité, enfin l'autre approche, qui est que les ministères font la démarche vers le bailleur, mais dans un cadre qui a été préalablement discuté. Voilà. Même si vous êtes ONG, vous êtes une association de ceci ou de cela, et que vous recherchez les financements bailleurs, ben allez-y, identifiez déjà les bailleurs. Voilà, la dernière fois, j'ai cité un peu, identifiez, allez sur le net. Aujourd'hui, la vie est devenue vraiment simple avec l'Internet. Allez sur les sites, vous allez voir même les modalités. Ils vont même expliquer eux-mêmes comment est-ce qu'on doit procéder pour avoir accès à leur financement. D'accord? Voilà, donc ça c'est la première question. Alors, elle a demandé, est-ce qu'il y a un canéva au PAD, par type de bailleur? Bon, ceux qui ne savent pas le PAD, on en a parlé longuement hein, dans nos différentes vidéos. Le PAD, c'est le document d'évaluation du projet. Et c'est un document donc qui sanctionne l'étape d'évaluation ex ante. Si tout ce que je suis en train de dire, toi tu ne comprends pas ce que je dis, il y a des vidéos antérieures hein, qui portent sur la préparation du projet. Voilà, il y a beaucoup de définitions qu'on a eu à donner, on a fait beaucoup d'explications. Donc, si tu prends au milieu comme ça, c'est vrai que ça peut être compliqué, sauf si tu travailles déjà dans le domaine. Donc, ce document qui sanctionne
l'étape d'évaluation ex ante, qui est le PADEN, elle demande est-ce qu'un candidat va par bailleur. Très souvent, les PADEN ne se ressemblent pas forcément. Donc, si vous prenez aujourd'hui un PADEN, par exemple de la Banque mondiale, un PADEN dans le cadre avec l'AFD, ça ne va pas forcément se ressembler. Mais le point commun, c'est que vous allez retrouver les différents aspects du cadre logique. D'accord? Donc, on verra comment, dans le document, quels sont les objectifs, objectif général, quel est le but, n'est-ce pas, du projet, le but auquel le projet contribue, n'est-ce pas, les objectifs, l'objectif général, objectif spécifique, les composants, tout ce qu'on a vu, en fait, dans le cadre logique. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire par rapport au cadre logique, il y a une vidéo, on a parlé de ça. Donc, pour répondre à sa question, vous n'allez pas forcément retrouver les mêmes agencements quand vous prenez un document, un projet financé par la Banque mondiale et un projet financé par l'OCDE. Par contre, la BAC et la Banque mondiale, c'est quasiment identique. Voilà, quasiment sur tout. Que ce soit en termes de procédure, que ce soit en termes de template, de caneva, de trucs. La Banque mondiale, la BAC, Banque africaine de développement, c'est quasiment la même chose. Voilà. Donc, quelle que soit la forme que ça donne, vous aurez forcément quasiment les contenus du cadre logique dans le PAD. Alors, elle demande qui élabore le mandat de procédure et à quel moment on élabore le mandat de procédure. Le mandat de procédure, en principe, on élabore avant la mise en vigueur du projet. Si ce n'est pas le cas, même si le projet est mis en vigueur, il peut y avoir des mesures suspensives du premier décaissement. C'est-à-dire, on dit que le projet est mis en vigueur, c'est comme si on dit que okay, le bébé est né. Mais le bailleur dira, avant que je n'envoie de l'argent, il faut que je valide d'abord le mandat de procédure. Parce que c'est dans le mandat de procédure qu'on va se mettre d'accord sur comment on va assurer la gestion financière, la variation des marchés, comment, ainsi de suite. Donc, le mandat de procédure administrative, comptable et financière. Donc, le manuel, pour répondre à votre question, est élaboré de façon préférable avant la mise en vigueur, donc après la signature de l'accord, soit des dons, soit des prêts, et avant la mise en vigueur. Mais même si la mise en vigueur est faite, très souvent les bailleurs préfèrent valider vraiment le mandat avant même la mise en vigueur, mais lorsque cela est fait, ils vont vous dire une des conditions pour le premier décaissement, il faut que le mandat soit fait. Donc le mandat peut être élaboré après la mise en vigueur. Donc quand l'équipe est en place, ainsi de suite. Voilà, donc il y a autre question qu'elle a posée, mais bon, pour ne pas focaliser, on va dire les réponses aux questions sur elle. Alors, il y a M. Maxime Anouman qui demande si le logiciel de gestion de projet est conçu par la structure étatique. Bon, d'abord, en général, le logiciel qu'on utilise, ce n'est pas les projets qui conçoivent hein, le logiciel. Ce sont des logiciels qui existent, n'est-ce pas, qui ont fait leurs preuves. Je ne vais pas en citer, pour ne pas forcément faire de publicité, pour ne pas faire de la publicité, qui existent. Donc, d'un pays à un autre, il y a un logiciel qui prend le dessus. Mais si vous prenez un pays donné, en général, il y a un logiciel phare en termes de gestion. D'accord? Ce logiciel-là, c'est l'unité de gestion qui l'achète, bien sûr, après approbation, qu'on appelle l'anneau du bailleur. Et comme je l'ai dit, il faut faire attention, lorsque vous prenez le logiciel, les logiciels sont paramétrés de façon générique. Il appartient au projet, donc, de réussir le paramétrage, de réussir la configuration pour que les états qui vont en sortir correspondent aux besoins du projet. Sinon, vous allez ressortir, ça va être des états classiques en fait, des états génériques. Alors, je voudrais revenir sur la question, sur une question qui a été posée, mais je ne vais pas citer le nom de la personne, pour ne pas que la structure se reconnaisse. Elle disait qu'elle veut savoir s'il est acceptable qu'un collaborateur, d'un coordonnateur, adresse une plainte par écrit, donc à un autre acteur clé, notamment soit au contrôle financier, soit à l'agent comptable. Donc j'avais donné l'explication, mais je reviens là-dessus, mais c'est la même explication. Comme je l'ai dit, au sein d'une unité de gestion des projets, on a trois acteurs clés. L'ordonnateur, donc le coordonnateur qui est l'ordonnateur, le contrôleur financier qui assure donc le contrôle a priori, concomitant et a posteriori des dépenses, et puis l'agent comptable qui est le payeur. Donc ce sont les entités clés. Et ces acteurs clés
ont chacun, bien sûr, leurs équipes. Donc, le premier responsable, l'ordonnateur, je l'ai dit, c'est le coordonnateur. Donc, s'il y a un écrit, n'est-ce pas, une correspondance à faire, en termes de responsabilité, c'est le coordonnateur qui doit signer. Si c'est un courrier, en plus, je vois que c'est une plainte. Si c'est une plainte, bon, je veux dire, ça, c'est le coordonnateur qui doit prendre sa responsabilité, demander à son collaborateur, donc, de lui faire la proposition, s'il est d'accord avec le contenu, et puis, bon, adresser au contrôleur financier via l'agent comptable. OK? J'espère que j'ai répondu. Alors, il est 16h15, donc on a fini le cas de réponse, n'est-ce pas, de réponse aux questions antérieures. On va donc commencer le sujet d'aujourd'hui. On va entamer le sujet d'aujourd'hui. Alors que je me connecte à mon ordinateur pour mon conducteur. Voilà, donc n'oubliez pas de poser des questions, parce qu'après je vais aussi répondre à vos questions. Donc je voudrais rappeler qu'on a démarré donc une série de formations qui a démarré cette semaine même, pas un premier live. Alors on a fait beaucoup de formations depuis le mois de décembre, hein. Mais là, on a décidé d'aller en eau profonde. Comme je l'ai dit, de ne plus être sur la plage, mais d'entrer maintenant en eau profonde. Pour faire quoi? Pour apprendre à pêcher. Ok? Ou alors pour apprendre à nager si vous voulez. Tant qu'on va rester au bord de la plage, on ne saura jamais nager ou bien on ne saura jamais pêcher. Et donc, comme j'ai vu une demande, une forte demande, une forte sollicitation des uns et des autres à travers vos questions, j'ai estimé qu'il fallait aller un peu en eau profonde. Et donc, on a commencé une série de lives. Et cette série de formations-là vise justement à vous donner des recettes pratiques qui vont vous permettre de régler les problèmes, les principaux problèmes, n'est-ce pas, qu'on rencontre couramment dans la gestion des projets de développement. Alors, pour celui qui suit ce programme-là, au terme de ce programme, parce que les résultats, en tout cas, que j'espère que vous aurez. Premier, c'est que tous ceux avec qui vous travaillez, notamment les cadres de la fonction publique, vont contribuer sincèrement et avec célérité à la réussite de votre projet. Parce que vous allez voir tout à l'heure dans le live d'aujourd'hui, tu as beau être très brillant, tu as beau avoir de très bonnes relations avec ton bailleur, si tu ne sais pas comment gérer ta relation avec les cadres de la fonction publique, mon cher, tu ne vas pas bouger. Tu n'auras pas de bons résultats, tu ne feras pas un bon taux, tu n'auras pas un bon taux de décaissement. Donc, au terme de tout ce programme-là, donc vous serez en phase avec les cadres de la fonction publique, votre hiérarchie, donc votre ministre de tutelle, si c'est le coordonnateur, mais si ce sont les chefs de cellule, donc votre hiérarchie, et votre bailleur seront vos meilleurs partenaires. Parce que si on ne sait pas les gérer, c'est ton ministre même qui devient ton premier adversaire. On n'est pas d'ennemi. C'est celui qui va même te combattre. Pourtant, le projet est sous sa tutelle. Mais c'est lui qui va te combattre. Si tu ne sais pas qui prendre, le bailleur qui finance, qui a intérêt à ce que les projets, les résultats soient atteints, à ce qu'il y ait des décaissements, ce bailleur-là, si tu ne sais pas le gérer, si tu ne sais pas gérer les relations, ben il sera ton pire ennemi, ton pire cauchemar. Et bien entendu, tu ne pourras pas avancer. Donc, il est bon de savoir ce qu'il faut faire vis-à-vis de la hiérarchie, ce qu'il faut vis-à-vis du bailleur. Et ça va être une des retombées pour ceux qui vont suivre vraiment tout ce qu'on va voir. Et bien sûr, vos collaborateurs seront motivés. Si vous avez une très bonne relation avec votre supérieur hiérarchique, le ministre, la primature, si vous avez une très bonne relation avec votre bailleur, avec si vous voulez, vraiment toutes les parties prenantes, mais que vous n'avez pas une équipe soudée, motivée, que vous avez un groupe, une association d'individus, parce que ce n'est pas parce que les gens sont ensemble qu'ils sont une équipe. Non, c'est d'abord un groupe. Donc, il faut en faire une équipe. Parce qu'on gagne en équipe. On ne gagne pas avec des individualités. C'est un peu comme le football. Il y a des équipes où les joueurs pris individuellement, ils sont très bons. Mais il faut un coach pour les mettre ensemble pour en faire une équipe. OK? Donc, si votre équipe, vous avez au niveau de l'unité de coordination, vous avez des gens qui ne se parlent pas, qui se combattent, qui sont en compétition les uns avec les autres, évidemment, le résultat sera catastrophique. Donc, vous devez réussir à faire en sorte non seulement d'avoir une équipe, que vous ayez une équipe motivée et que les gens respectent les procédures. Donc, on va voir tout ça, n'est-ce pas, sans qu'on ait parlé des retombées de ceux qui vont suivre, n'est-ce pas, ce court programme, qui ne sera pas très très long. Mais bien sûr, vos populations bénéficiaires vont s'approprier le projet. J'ai toujours dit nos meilleurs, nos vrais chefs, ce sont les populations, en tout cas pour les projets de développement, puisque les projets travaillent pour le bien-être des populations.
Donc la vraie satisfaction là, c'est là-bas. C'est la population qui doit être satisfaite. Donc on verra aussi comment faire en sorte que la population s'approprie pour que ce soit ces personnes-là, ces gens-là qui soient vos ambassadeurs. Et la cerise sur le gâteau, vous saurez comment conduire aisément votre équipe au succès, à la satisfaction de tous. Et souvent, je complète pour dire, sans ruiner votre santé. Voilà. Parce qu'on peut atteindre des résultats satisfaisants et puis bon, tu en sors très malade quoi. Ben, tu es malade, voilà, tu es hypertendu, diabétique, tu as plein. Je ne dis pas que ces maladies sont dues à ça, mais si on ne sait pas s'organiser, on atteint un certain niveau de résultat, mais on n'est pas épanoui, on est triste, voilà. Non, ce n'est pas ça l'objectif de la vie. L'objectif, c'est de travailler et puis être heureux dans son travail. Que ton travail t'apporte du bonheur. Ok? Donc, ce sont là les retombées de ceux qui vont suivre cette formation complète. En tout cas, vous serez capable d'atteindre un niveau de satisfaction. Et la formation complète va comprendre 6 lives. Et ça, c'est pour vous rappel. 6 lives. On a fait un premier live cette semaine. On va faire le deuxième live aujourd'hui. Il y en aura 6 comme ça. Et ça va s'achever par un webinaire. C'est une conférence gratuite. OK? Tout ça, c'est gratuit. Donc, pour atteindre les résultats dont je viens de parler, il faudra suivre les 6 lives. OK? Et puis, participer au webinaire. Voilà. Donc, pour ce qui est des lives, ça va se faire sur ma page, Adama Bamba officiel, comme vous le voyez actuellement. Mais pour le webinaire, on va se transposer dans un groupe, dans un autre cadre. C'est un groupe que j'ai créé. C'est là-bas qu'on va faire le webinaire. Là-bas, je vais faire une présentation. Je vais faire la présentation PowerPoint pour le webinaire. Et puis, l'avantage de faire dans un groupe, c'est que je me dis, si la personne quitte sur la page pour arriver là-bas, c'est qu'elle est vraiment intéressée. Voilà. OK? Et puis, vous savez, il y a des choses qu'on peut dire sur la voie publique, comme aujourd'hui. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur la voie publique, donc au bord de la route, mais qu'on peut dire quand on est au salon, n'est-ce pas? Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire quand on est au salon, mais qu'on peut dire quand on est dans la chambre à coucher. Donc, les contextes et les cadres, n'est-ce pas, les lieux ne sont pas les mêmes. Donc, c'est l'utilité pour moi d'aller faire le webinaire sur un groupe. Ça veut dire celui qui va, c'est qu'il est intéressé. Okay? Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, que je peux dire là-bas. Voilà. Donc, pour participer donc, à ce webinaire hein, et puis à ce live, vraiment tout est gratuit. Il faut simplement vous abonner, cliquer donc sur le... Il y a un lien au-dessus. Mais laissez à la fin, vous aurez le temps d'aller cliquer après sur le lien. Sinon, ça va vous déconnecter d'ici. Et puis, on va mettre aussi le lien dans le commentaire. Je crois que Nanda l'a déjà fait d'ailleurs. Voilà. Donc, elle a mis le... vous voyez, attends, Bamba, il y a un commentaire là. C'est notre chargé de programme donc, qui a mis ça. Alors, donc, c'est pas compliqué de participer au live et de participer au webinaire. Alors, revenons donc au sujet de ce jour. Dans le premier live, vous vous souvenez, on a parcouru ensemble les notions essentielles sur la gestion des projets de développement. Donc, pour ceux qui ont raté, bien sûr, je vous invite à aller voir la vidéo. Après, donc, ce live introductif qu'on a eu à faire, ce live d'ailleurs qui nous a permis d'avoir donc une idée de ce que c'est qu'un projet de développement et des principaux intervenants, aussi bien du pilotage que de la gestion d'un projet, dans les 5 prochains live qui vont suivre, vous allez apprendre d'une part à surmonter les obstacles qui sont posés à votre projet par vos collaborateurs, par les acteurs du secteur public et du secteur privé. Et puis on va se concentrer sur vraiment 2 parties prenantes qui pour moi sont essentielles, ce sont le bailleur et la population. Donc voyons dans ce live 2 la démarche que j'appelle la démarche en 4 étapes pour amener les cadres de l'administration publique à traiter vos dossiers avec célérité. Alors, quand je dis ça comme ça, quelqu'un peut se poser la question, mais alors, est-ce que les cadres ne le font pas avec célérité? C'est une très bonne question. Donc, le live va vous permettre de comprendre que les cadres de l'administration publique sont essentiels, incontournables, mais si on ne sait pas gérer la relation professionnelle avec ces responsables-là, votre projet va... ça va dégringoler. Vous n'aurez pas de résultats. OK? D'où l'utilité vraiment de pouvoir gérer cette question qui pour moi est
essentiel. Mais avant, voyons le contexte. Pour que vous puissiez comprendre, en fait, après la démarche, il faut savoir quel est le contexte. Vous devez comprendre que la plupart des unités de gestion sont composées d'experts qui sont recrutés par appel à candidature très souvent ouvert ou bien appel à candidature restreint. Et ces appels à candidature sont organisés par les ministères qui sont porteurs, n'est-ce pas, des différents projets de développement. Quand c'est une entreprise, bien sûr, c'est l'entreprise qui lance l'appel, mais qui fait le recrutement. Quand c'est une ONG, c'est l'ONG qui va, bien sûr, lancer. Mais pour ce qui est des projets portés par les ministères, ce sont les ministères qui font le recrutement, bien sûr, conformément aux modalités convenues avec le bailleur, et puis à chaque étape, avec les avis de non-objection du bailleur. OK? Alors, dans certains cas, j'ai eu déjà le dit, quand on a fait la vidéo sur les différents types d'organisations, dans certains cas, les projets sont coordonnés, sont gérés, on va dire, par le personnel des directions des organisations centrales. Voilà, OK? Ou alors par des programmes nationaux. Dans les différents pays, on a le programme national de lutte contre le sida, on a le programme national de lutte contre la tuberculose, comme le cas de la santé. Mais vous avez d'autres dans l'environnement, dans l'éducation, ainsi de suite. Donc il y a des programmes nationaux qui reçoivent directement ces projets et puis ensuite la gestion. En général, ces programmes-là sont constitués pour l'essentiel des salariés de l'administration publique, donc des fonctionnaires. Vous voyez que ce cas est différent de ceux des consultants qu'on recrute par rapport à la candidature pour constituer une unité de gestion de projet selon la structure adocratique, comme j'avais à le dire. OK? Donc, tout est-il qu'il y a une unité de gestion, voilà, que ce soit de type adocratique, de type commando ou même de type matriciel. Donc, le débat n'est pas vraiment à ce niveau. Donc, il est bon aussi de préciser que même au niveau des projets qui sont confiés aux organisations du système des Nations Unies, notamment le PNUD, l'ONUDI, l'UNICEF, ces projets-là sont quelquefois mis en œuvre aussi par les unités ad hoc. Parce que là, on parle toujours des ministères, quelque chose. Mais le système des Nations Unies, les agents du système des Nations Unies ont quelquefois des ressources affectées à des projets. Et ces projets-là sont mis en œuvre par des équipes, n'est-ce pas, qui mettent en... Si vous voyez dans les jeux de grand tirage, vous allez voir qu'il faut que, on dit, le PNUD recrute, ou bien l'UNICEF recrute. Donc, ça peut être membre des unités de gestion. Donc, souvent, ça peut être membre directement de leurs entités, mais quelquefois, ça peut venir assurer la gestion des projets. Donc, pour vous dire que quel que soit le porteur du projet, donc une structure publique comme un ministère, ou bien une ONG, une collectivité territoriale, une entreprise qui a un financement, on a dit, il y a une unité de gestion des projets. Donc, revenons au contexte des projets de développement donc financés par les équipes qui sont rattachées au ministère, quelle que soit la manière dont ces personnes-là sont arrivées là. OK? Toujours est-il que la coordination donc de la mise en œuvre est généralement confiée à une équipe projet. On va appeler ça comme ça. Donc, on ne s'intéresse pas si c'est adocratique, si c'est matriciel, si c'est commando, c'est pas ça le plus important aujourd'hui. Et ces équipes-là ont pour mission justement d'atteindre des résultats dans les délais et dans la limite des dotations budgétaires prévues, quelle que soit l'unité de gestion. Et les membres des équipes bénéficient de contrats de performance, surtout quand ce sont les entités adocratiques. Donc les UCP que vous voyez, il y a des contrats. OK? Il y a des contrats. Et des contrats de performance avec des résultats attendus. C'est ce qui fait que chaque année, les gens sont évalués. Bien sûr, ça ne se fait pas dans tous les portefeuilles comme ça, mais pour les portefeuilles bien organisés, ça se fait comme ça. Donc, si on fait l'évaluation à la fin de l'année, ça veut dire, bien sûr, on se met d'accord sur les indicateurs, encore les résultats à atteindre. Donc, les gens bénéficient de contrats de performance dont la durée est celle du projet. Donc, un coordonnateur, il a un contrat signé entre lui et le ministère porteur donc, du projet. Il est payé sur les ressources du bailleur, si c'est la Banque mondiale, si c'est l'AFD, la BAD, ainsi de suite. Et son contrat va sur la durée du projet. Et puis, ce sont les contrats de performance. Et c'est valable pour tous les membres de l'équipe projet. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut y mettre fin s'il n'y a pas de résultat. C'est à dessein que je mets l'accent sur ça. Vous allez comprendre pourquoi. En clair,
les membres des unités de gestion sont sous une pression constante. Une pression constante de l'atteinte des résultats. Puisque s'il n'y a pas de résultats, ben, on peut mettre fin au contrat. N'est-ce pas? À tout moment, pour insuffisance de résultats, ou même pour mauvaise gestion. Donc il y a cette forte pression là sur ces entités de gestion. Il suffit par exemple qu'au cours d'une mission de supervision, du bailleur ou bien de son mandat, je parle de mandat surtout pour ceux qui bénéficient des financements du Fonds mondial. Parce que le Fonds mondial, ils ont ce qu'ils appellent les LFE. Voilà. Donc ce sont eux qui viennent souvent en supervision. Donc au cours d'une supervision du bailleur, il suffit qu'on fasse ressortir dans l'aide-mémoire des recommandations ou alors faire des constats qui montrent qu'il y a une mauvaise gestion ou bien le projet est un projet à problème parce qu'il n'a pas de résultats, les résultats sont insuffisants. Il suffit que ce soit alarmant et je voulais préciser, les aides-mémoires ne sont même pas adressées au coordonnateur. C'est adressé très souvent au Premier ministre, en tout cas pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. Mais quasiment dans tous nos pays ici, Bénin, Togo, Sénégal, c'est un peu le même schéma. C'est adressé à une autorité supérieure. Et puis, quelquefois, le coordonnateur, il est simplement ampliataire. Et même parmi les ampliataires, il va le dernier sur la liste. Parce que comme ampliataire, si ça s'adresse au Premier ministre, ils vont mettre d'abord comme ampliataire le ministre des Finances, les ministres de tutelle, les coordonnateurs de portefeuille. Donc, si c'est le CDD, par exemple, ils vont mettre Mme Léa Diaty, qui coordonne, qui salue d'ailleurs, qui coordonne le portefeuille et le CDD. Quand c'est de l'autre côté, c'est Ablaye Bakayoko, père son âme. Je pense qu'ils ont la personne qui assure maintenant la coordination. Bref, le coordonnateur est en bas. Juste pour dire qu'on vient vous évaluer en griffe au cours d'une supervision, mais pour faire le rapport, ce n'est pas à vous qui c'est adressé. C'est adressé, bien sûr, à l'État. C'est adressé au gouvernement, puis c'est le gouvernement qui bénéficie du financement. Donc, si dans ça, on fait des constats négatifs sur votre gestion, avec des recommandations, à tout moment, on peut dire on restructure le projet, ou bien à tout moment, on peut mettre fin. Il y a des coordonnateurs qui me suivent, ils savent qu'à tout moment, on peut mettre fin à ton contrat. Tu as beau lutter, mais c'est une question de jour. Dès lors que le bailleur n'est pas content, n'est pas satisfait, c'est une question de mois au maximum. D'où l'utilité de faire en sorte qu'on puisse réussir son projet, avoir des résultats. Donc ça, c'est une contrainte sur le projet. D'accord? Ça c'est pour les équipes, les unités de gestion de projet. Mais la réalité, pour atteindre ces résultats et éviter de se retrouver dans des situations que je viens de décrire, ce sont des situations malencontreuses qui peuvent faire que le gars ou bien la dame peut perdre son boulot et puis à la limite se retrouver dans une situation de précarité. La réalité est que pour atteindre ces résultats-là, les UCP n'évoluent pas en toute indépendance. Ce ne sont pas des entités qui sont là comme ça, autonomes, qui travaillent seules, sans interaction avec les acteurs du secteur public ou du secteur privé. Non. Certes, les unités de gestion sont au cœur du dispositif, mais ces entités-là restent très dépendantes des contributions des parties prenantes qu'on a citées dans la vidéo antérieure. J'ai cité vraiment les parties prenantes, tous ceux qui interviennent d'une façon ou d'une autre dans la gestion des projets. Donc, au nom de ces parties prenantes-là, figurent en très bonne place les cadres des ministères, notamment le ministère des comptes des finances, le ministère du budget et les ministères techniques. Donc, si vous êtes dans un projet qui agit dans le domaine de l'agriculture, donc le ministre chargé de l'agriculture, le ministère chargé de l'agriculture, les directions de ce ministère, les directions du ministère du budget, les directions du ministère des finances. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être indépendant de ces administrations. Vous avez les mains et les pieds joints. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. OK? Et donc, il est essentiel de comprendre qu'en même temps que vous avez cette pression-là de résultats, pour les atteindre, vous avez besoin de personnes, mais sur lesquelles vous n'avez aucune influence. Vous voyez, c'est ça la problématique. Vous n'avez aucune influence. Le coordonnateur n'est pas donné d'ordre à un directeur d'un bureau central. Il ne répond pas de lui. Par contre, cela doit faire des activités pour concourir à l'atteinte des résultats donc, du projet. OK? Bien sûr, le degré d'interaction des cadres des ministères dans la gestion du projet, ça diffère d'un pays à l'autre et d'un bailleur à l'autre. Il y a des pays
n'y a pas cette forte interaction-là des administrations, des directions du secteur public sur les unités de gestion des projets. Il y a des pays où, franchement, bon, je ne vais pas citer, à la limite, c'est, l'UCP, c'est comme une entreprise privée, quoi. Voilà, il y a une très, très forte autonomie. Je ne dis pas que c'est un bon schéma, mais je dis que ce cas existe. Mais dans d'autres pays où il y a vraiment une très, très forte implication, et ça se comprend, puisque les financements ne sont pas des financements faits à l'unité de coordination, mais sont des financements faits à l'État de Côte d'Ivoire, par exemple, ou bien au gouvernement béninois, ou togolais, ou sénégalais. Donc, il est bon que les administrations publiques de ces entités-là aient, bien sûr, un rôle à jouer dans la mise en œuvre du projet. Alors, dans le cadre donc, de cette présente formation, je viens de dire que le degré d'intégration, ça diffère d'un pays à l'autre, ça diffère aussi d'un portefeuille à l'autre. Parce que, effectivement, dans le même pays, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, pour certains portefeuilles, vous avez une forte interaction des directions. Mais je connais un autre portefeuille où, à la limite, les agents publics n'interviennent même pas. N'interviennent pas du tout. C'est-à-dire que le bailleur, il fait son truc, il a son unité de coordination, il joue avec les ONG pour les achats, il passe la DMP, tout ça, personne n'intervient. Même au niveau de la budgétisation. Donc l'agent public n'intervient quasiment pas. Et il travaille avec le ministère de tutelle, qui a quelques informations, qui valide certaines choses, mais en termes de gestion, non, ils n'interviennent pas. Nous, le ministère des Finances, le budget, les directions n'interviennent pas. Voilà. Par contre, dans ce même pays, vous avez d'autres bailleurs, d'autres portefeuilles où il y a cette forte interaction. Mais dans le cadre de cette formation-là, on va prendre le cas de figure le plus compliqué. Quand je dis le plus compliqué, c'est là où il y a beaucoup d'interactions. Puisque l'objectif pour nous, c'est de dire, en de pareilles situations, qu'est-ce qu'il faut faire pour que donc ces partenaires, n'est-ce pas, soient des partenaires, voilà, qu'ils ne soient pas vos adversaires, qui vous aident à atteindre les objectifs, les résultats donc, qui sont attendus du projet. Donc, on va prendre les cas les plus compliqués pour que tous les participants à la formation trouvent bien sûr leur compte. Donc, je vous décris rapidement les cas qui sont plus à peu compliqués. Donc, les cas les plus complexes, ce sont les cas dans lesquels les cadres des ministères sont responsables de plusieurs choses et je vais vous les décrire. Par exemple, inscrire les crédits. Donc, le bailleur, je vous prends un exemple simple. Un projet peut être financé à 100 milliards avec 100 milliards de francs CFA. Donc, on a, ça c'est pour toute la durée du projet, mais il y a des budgets annuels. Donc, à supposer qu'une année donnée, le budget soit de 10 milliards. Et ce budget-là, bien sûr, il est déterminé selon tout un mécanisme hein, que je n'ai pas prendre le temps d'expliquer ici. Donc, on sait que pour, par exemple, 2022, c'est 10 milliards. Mais vous ne pouvez pas commencer à exécuter parce que simplement le bailleur a validé. Le budget doit être inscrit, n'est-ce pas, dans l'outil de gestion de l'État. Et il y a certains pays où ce n'est pas l'unité de coordination qui a la responsabilité d'inscrire ce budget-là, n'est-ce pas, dans la base de données. Je ne vais pas citer seulement le cas de la Côte d'Ivoire, puisque plusieurs pays sont connectés, on n'a pas le même système. Donc je reste un peu global et générique sur ces aspects. Donc c'est une autre direction, par exemple la DAF du ministère, qui doit l'inscrire. Ok, qui doit inscrire les crédits du budget du projet, n'est-ce pas, au budget de l'État. Par exemple, des mandats de crédits budgétaires. Une fois qu'ils s'inscrivent, il faut faire des mandats. Bon, c'est pas grave. Je dis qu'on ne comprend pas tout ce qu'ils sont en train de dire. C'est pas grave. Ok. Donc, ils doivent mandater pour que les crédits soient disponibles maintenant auprès donc du projet. Ok. Et ça, c'est le DAF du ministère technique. Et ce DAF là. Il n'est pas membre de l'UCP, il n'est pas sous l'autorité, n'est-ce pas, du coordonnateur. Deuxièmement, virer les fonds du compte bancaire du projet, n'est-ce pas? Parce que quand on vous dit un projet à 100 milliards de francs CFA, il y a tout un mécanisme pour mobiliser les ressources. Donc, si vous prenez, je vais prendre deux cas, le cas de la Banque mondiale, les fonds quittent la Banque mondiale pour arriver donc sur ce qu'on appelle le compte désigné, qui est à la BCAO, pour un projet donné. Et lorsque ça arrive là-bas, on ne peut pas faire des dépenses à partir du compte désigné qui est à la BCAO. Il faut que les fonds soient transférés sur le compte projet, qui est très souvent dans une banque commerciale. Donc, pour mobiliser les ressources, donc le budget, le projet veut mobiliser par exemple 5 milliards, pour mobiliser ça, il y a l'unité de coordination qui intervient. Mais vous avez plusieurs directions du ministère des Finances
Pour la Côte d'Ivoire, vous avez la Pairie générale de la dette publique qui intervient, n'est-ce pas? Quand on fait le DRF, ceux qui sont sur le projet, ils savent de quoi je parle, quand on fait la demande donc, de retrait des fonds, donc il y a des documents, c'est le directeur, non d'ailleurs, c'est pas la Pairie générale, c'est la direction de la dette publique et des dons. Voilà. Donc, qui va signer les documents et maintenant qui va transmettre à la Banque mondiale et la banque va transférer les fonds sur le compte désigné. Une fois que les fonds arrivent sur le compte désigné, c'est la Pairie générale de la dette publique qui va faire en sorte que la BCAO transfère ces fonds-là sur le compte projet. Donc, vous voyez là que ça, ce n'est pas la responsabilité du coordonnateur, ce n'est pas la responsabilité de l'équipe projet. Donc, vous voyez que là, si ces fonds n'arrivent pas, vous ne pouvez pas décaisser, vous ne pouvez pas dépenser. Et je viens de vous montrer dans ce cas-là, vous avez trois directions qui interviennent. La direction de la dette publique qui est au ministère des Finances, vous avez la Pairie générale de la dette publique qui est au ministère des Finances, vous avez la BCAO, d'accord? Donc, toutes ces entités, vous n'avez aucun contrôle. Donc, c'est pour cela qu'il est bon de savoir comment gérer les relations avec ces entités. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens soient de votre côté? Parce que si vous êtes en parlant avec tout le monde, vous n'allez pas bouger. OK? Donc, je suis en train de passer en revue les activités, les actions sur lesquelles les administrations interviennent. Donc, je viens de parler du virement de fonds sur le compte projet. Par exemple, si on doit faire des acquisitions, il y a des spécifications techniques que les directions doivent faire. Si on doit acheter des biens, services, quelquefois il y a des missions, ce sont les directions des ministères qui doivent envoyer des spécifications techniques à l'unité de coordination, maintenant qui va transcrire tout ça pour que ce soit un dossier d'appel d'offres, en tout cas un dossier de mise à concurrence. Mais tant que cette direction ou bien agence de l'État n'envoie pas les spécifications techniques, vous ne pouvez pas avancer. D'accord? Donc, s'ils veulent vous bloquer, ils vont vous bloquer. Voilà. Si vous ne savez pas comment gérer vos relations professionnelles avec ces entités-là, vous allez vous taper le dos pour dire « Oui, je suis coordonnateur. De temps en temps, je gère X milliards. » tu ne vas pas bouger. Tu n'auras pas de résultats. Autre aspect sur lequel l'unité de coordination n'a vraiment aucune emprise et qui dépend des administrations, c'est lorsqu'on doit prendre par exemple les textes réglementaires, notamment les décrets et arrêtés. On dit par exemple, il faut prendre un décret, le décret signé par le président de la République. Mais même quand c'est signé par le président de la République, c'est porté par le ministre des tutelles. Quand c'est un arrêté, c'est le ministre qui signe l'arrêté. Ça, c'est le domaine du ministre. Donc, quelquefois, ce sont les directions centrales qui préparent ces textes réglementaires. Et quelquefois, ce qui est souvent grave, on demande par exemple une ordonnance. Donc, vous voyez, ou bien une loi. Quelquefois, le projet a besoin d'une loi sur certains aspects. Donc, ça, c'est l'Assemblée nationale. Mais tout est dit que c'est porté par l'administration centrale. Donc, juste pour vous dire qu'il y a plusieurs aspects comme ça qui échappent au contrôle des unités de gestion des projets et qui dépendent, on va dire, à 100%, n'est-ce pas, des administrations publiques, donc des directions, des cabinets ministériels, ainsi de suite. Il y a des normes et directives nationales. Ça, ce n'est pas l'unité de coordination en termes de normes nationales. Ce n'est pas l'unité de gestion des projets qui va se prévaloir, n'est-ce pas, de cette capacité à élaborer des normes. On parle de normes nationales. Donc, le projet peut financer avec les sous bailleurs, mais en termes d'élaboration, c'est la partie nationale. C'est sur la direction centrale. Okay? On a aussi le cadre d'approbation des marchés. Très souvent, les marchés sont signés, mais pour approuver, c'est soit le ministre technique, soit le directeur des marchés publics, soit le ministre du budget. Donc, vous voyez que là, ce n'est plus sous l'emprise de l'unité de coordination du projet. Donc, juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'aspects, en réalité, qui ne sont pas sous le contrôle de l'unité de coordination, mais des administrations. Je ne vais pas vous citer toute la liste, sinon il y a par exemple la définition des modalités opérationnelles de mise en œuvre de certaines composantes. En principe, ce n'est pas le projet qui doit définir ça. Si une composante doit être mise en œuvre par exemple par un ministère, par le ministère par exemple de l'environnement, c'est le ministère, les directions du ministère de l'environnement qui doivent décrire comment ça va être mis en œuvre. C'est ce qu'on appelle le manuel d'exécution de la composante. Concrètement, comment ça va être mis en œuvre en termes programmatiques. Ok? Il y a l'élaboration des plans d'action opérationnels et puis bien sûr la mise en œuvre des activités qui incombent à certaines directions. Vous avez des entités qui sont par exemple des agences nationales ou même des directions centrales dans certains pays qui sont porteurs d'un ensemble d'activités à exécuter dans le cadre de leur plan opérationnel.
Mais ces gens-là, ils doivent exécuter ces activités pour que certains objectifs du projet soient atteints, pour que certains résultats soient atteints. Mais malheureusement, les directeurs de ces entités-là ne sont pas sous le contrôle du coordonnateur du projet. Donc, je suis en train de vous montrer en quoi est-ce qu'ils sont, ils occupent, ils jouent un rôle central. Donc, si tu es coordonnateur, tu es spécialiste sur le marché, gestion financière, chargé des programmes, et tu estimes, tu penses que tu es indépendant de ces personnes, non, tu te trompes. Voilà, s'ils veulent t'empêcher de tourner en rond, ils vont t'empêcher de tourner en rond. D'accord? Donc, pour rappel, la complexité du problème, ça vient du fait que les cadres, vous voyez les directions que j'ai citées tout à l'heure, hein, donc ceux qui sont responsables là-bas, ou même les agents qui sont là-bas, qui sont chargés des actions essentielles que je viens de numérer là, ne sont pas sous la responsabilité du coordonnateur du projet. Et puis, dans la plupart des cas, ils ne reçoivent pas de rémunération en contrepartie donc de ce qu'ils doivent faire dans le cadre du projet. Donc, vous demandez à une direction de faire un travail en contrepartie duquel, en réalité, il ne voit pas de contrepartie. Enfin, il ne sait pas, le projet lui apporte quoi. On a très souvent entendu ça, je ne suis pas le seul, tout le monde entend ça. Souvent, le directeur vient, concrètement, écoute, c'est ton projet, c'est vous qui êtes payé là-bas. Hein. Nous, on n'est pas noté pour ça. Parce que, réellement, toi, ton contrat, si tu n'as pas de résultat en fin d'année, ton cœur peut battre, mais bon, lui, il n'a pas ce problème. Il est là pour 30 ans. Et après les 30 ans, il va à la retraite. Mais lui, il n'a pas de souci. Donc, que tu as des résultats ou pas, à la limite, il s'en moque. OK? Donc, on attend des choses de ces responsables-là. Pour une raison ou pour une autre, très souvent, ils ne sont pas rémunérés. C'est vrai que souvent, il y a certains qui reçoivent des indemnités, même là, c'est à quel niveau. Et bien sûr, même quand c'est le cas, souvent même ça constitue vraiment une source de démotivation, de frustration, vu le montant. Donc la réalité c'est que le bailleur dit, moi je ne paye pas les fonctionnaires pour faire un travail sur le projet. Parce que le raisonnement des bailleurs est très simple. Toi, l'État du Gondwana, on dit ça comme ça, pour ne pas identifier un pays, hein, donc le Gondwana de Maman. Donc toi, l'État du Gondwana, tu as besoin de mes ressources pour mettre en œuvre un certain nombre d'activités, donc dans le cadre d'un projet, pour atteindre des résultats, pour satisfaire ta population. Mais tu as des agents que tu as déjà recrutés, que tu payes déjà. Donc le bailleur ne comprend pas que pour la mise en œuvre des activités, lorsque le fonctionnaire doit faire un travail pour le compte de l'État, ce fonctionnaire doit payer. Ils appellent ça à nouveau, puisqu'ils estiment que le fonctionnaire a déjà un salaire. C'est vrai qu'il y a tout un débat sur ça, hein. Le fonctionnaire peut te dire, mais quand j'étais recruté, ce n'était pas pour faire ça. Voilà, j'avais une mission bien précise, j'ai ma direction qui est là, je suis le directeur de la planification, le directeur de la coordination, le directeur des moyens généraux, j'avais du boulot, mais votre projet est venu s'ajouter. Donc il y a tout un débat sur ça. Tout est-il qu'il est rare que les bailleurs acceptent que les fonctionnaires soient rémunérés en contrepartie du travail qu'ils font sur le projet, quand ils sont dans leur direction. C'est de ça que je parle, hein. Je ne dis pas ceux qui travaillent au sein des unités de gestion. Ce n'est pas ça que je parle. OK? Donc, on se trouve dans un schéma où on a besoin d'eux pour atteindre des résultats, pour mener des actions, mais on n'a aucun élément ni de coercition, ni de motivation, parce qu'ils n'ont pas de rémunération. OK? Donc, l'UCP donc, va se retrouver pleinement responsable de la réussite et de l'échec du projet. Et c'est véritablement ça. Les UCP sont entièrement responsables de la réussite, de l'échec et de la réussite du projet. C'est rare, ce n'est jamais arrivé. Moi, j'ai jamais vu un cabinet ministériel, un bailleur dire le projet n'atteint pas ses résultats parce que telle direction ne fait pas son travail. Non, 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 non. C'est toujours sur l'unité de coordination qu'on met la pression. Voilà. C'est toujours vous, on dit vous n'arrivez pas à mobiliser, vous n'arrivez pas à impliquer les organes centrales. OK? C'est toujours l'unité de coordination. Donc, vous êtes responsable de la réussite et de l'échec du projet, alors même qu'il y a des actions capitales que je viens de citer qui doivent être menées par des personnes, mais sur qui le coordonnateur n'a aucun moyen de pression, n'a aucun moyen de motivation. Mais en plus, ce sont quelquefois des cadres de l'administration qui sont remontés contre le projet
C'est-à-dire qu'ils sont déjà fâchés. Pourquoi? Parce que si vous avez bien compris le processus de préparation, au moment où on prépare le projet, ceux qui constituent l'unité de coordination ne sont pas là. Je parle de nouveaux projets. Je ne parle pas, par exemple, des projets qui arrivent, se greffer sur une unité qui existe déjà. Au moment de la préparation du projet, ce sont les directions des ministères qui préparent le projet. Et donc, très souvent, les gens ont un secret espoir d'être des acteurs clés de la mise en œuvre du projet. Et puis, bon, après on dit non, 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 c'est pas vous qui allez mettre en œuvre, on va mettre en place une équipe de gestion de projet, on va recruter des consultants, et qui sont payés peut-être 10 fois plus cher. Donc ça crée forcément, n'est-ce pas, de la frustration d'être écarté et être remplacé par des personnes en griffe étrangères au ministère. Mais en plus des gens qui reçoivent 5, 6, 10 fois plus que les fonctionnaires. Donc vous voyez, ça crée une frustration, mais en même temps ces personnes-là doivent mener des actions. C'est ça la complexité de la situation, vous comprenez? Donc dans un tel contexte, il y a forcément des obstacles qui seront occasionnés par les cadres de la fonction publique. Je vais vous en citer certains obstacles. Donc si vous êtes en train de noter, on a vu en un le contexte. On a cité certains éléments clairs le contexte. Maintenant on va citer les obstacles. Les obstacles qui sont occasionnés par les cadres de la fonction publique, peut-être sans forcément le vouloir, mais c'est le contexte, n'est-ce pas, qui certainement les amène à agir comme ça. Okay? Donc en deux, on va voir maintenant les obstacles qui sont occasionnés par les cadres de l'administration publique. Ce schéma-là, quelquefois, on le voit aussi dans les entreprises, hein, surtout quand un projet d'une entreprise privée est géré par une équipe qu'on a recrutée, ce n'était pas les salariés. Donc c'est le même schéma qui peut se répéter. Donc, dans la mesure où les gens travaillent dans le contexte que je viens de décrire là, et puis le coordonnateur n'ayant aucune contrainte, pardon, les cadres de l'action publique n'ayant aucune contrainte de temps et de redevabilité vis-à-vis du projet, eux n'ont pas à rendre compte. Hein. Voilà, c'est le coordonnateur et son équipe, c'est eux qui doivent rendre compte. Eux n'ont pas à rendre compte. Ok? Donc, il est très fréquent que les responsables de l'action publique, donc, traînent les pas lorsqu'il s'agit de produire ou bien de mener des actions qui sont félicitées pour servir, n'est-ce pas, la cause du projet. C'est très souvent que les gens ils prennent leur temps. Il y en a qui clairement disent, mais concrètement, je gagne quoi? C'est normal, c'est humain. Quelquefois même participer au COJO, il y en a qui disent, mais concrètement, je gagne quoi? Alors que ce sont des activités en réalité qui bénéficient à leur ministère. Mais bon, les relations sont humaines, d'accord? Donc moi, je vous parle de la réalité et puis on verra qu'est-ce qu'il faut faire, d'accord? Donc ils vont tenir les pas, pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure. Et on note clairement un manque de réactivité de leur part dans le traitement des dossiers. Et bien sûr, le fait de traîner les pas, le fait de manquer de réactivité va engendrer des conséquences sur le projet. Donc quoi, par exemple, des retards dans la mise en œuvre du projet. Vous avez beau faire votre planification, votre PTAB, donc plan de travail en œuvre budgétisé, il y a des actions qui doivent être menées par cette administration-là. Si ce n'est pas fait, vous allez serez forcément en retard. Voilà. Parce que ce n'est pas vous qui devez les mener. Il y a des retards dans la présentation des marchés. Quand on passe marché, dans tout le processus, il y a l'unité de coordination qui intervient, la seule préparation du marché intervient. Mais en amont, vous avez le bailleur, en amont, vous avez la direction des marchés publics. Et pendant le processus, les projets sont constitués de représentants de plusieurs entités, du ministère technique, du ministère du budget. Du ministère du budget, et c'est présidé d'ailleurs, en tant que celui de la Côte d'Ivoire, les projets sont présidés par des représentants du ministère de tutelle. Et donc, l'unité de coordination ne mène pas tout de bout en bout. Et donc, si ces personnes qui sont responsables du secteur de l'action publique, qui ne sont pas sous l'autorité du coordinateur, ne font pas le travail, il y aura des retards dans la passation des marchés. Parce qu'il faut valider des documents à tous les niveaux, en amont même de la publication, pendant les analyses et les attributions du marché, et même pendant l'exécution, n'est-ce pas, du marché. Très souvent même, il y a des approbations, il y a des dossiers qui ont fait 6 mois sans être approuvés, des marchés qui ont fait 6 mois sans être approuvés. C'est-à-dire que le marché est signé par le coordonnateur et par l'entreprise, ou même par l'ONG, parce que de ce dont je parle, c'était même pas une ONG, c'était une entité de l'État, dont le coordonnateur a signé, le directeur, le DG de l'entité a signé, il fallait l'approbation du ministère
pour que les fonds soient transférés à l'entité publique, mais ça a mis 6 mois. Je ne vais pas citer le pays, mais ce sont des choses qui arrivent. Et donc, en pareille situation, le projet en retard, certes, mais c'est du fait de qui? De quelqu'un qui devait approuver, mais qui n'a pas approuvé. Mais quelqu'un sur qui le coordonnateur n'a aucune emprise. Donc, comme autre conséquence, on a dit, hein, les conséquences, c'est l'état dans la mise en activité. Les conséquences, c'est le retard dans l'application des marchés. Et bien entendu, s'il y a un retard dans la mise en œuvre des activités et dans l'application des marchés, il va s'en dire qu'il y a forcément un retard dans l'atteinte des résultats eux-mêmes. Or, c'est la raison d'être même du projet. D'accord? Et bien sûr, on peut avoir aussi des dossiers de faible qualité. Si la personne n'est pas vraiment intéressée à faire le travail, le document qui est attendu de sa direction, c'est très souvent qu'on oublie de reprendre. Ou alors, ça ne vient pas du tout. Mais quand ça vient, bon, on peut passer 1 ou 2 mois là-dessus, en train de refaire, ainsi de suite. Et il est clair qu'on aura des taux de décaissement faibles. Or, souvenez-vous, je vous ai dit qu'un projet, ce sont les indicateurs. On dit que tu dois construire 100. Tu dois construire 10 000 classes, c'est ça le premier indicateur, le nombre de classes à construire sur telle période. Ok? On te dit, tu dois décaisser. Donc, résultat, décaissement. Mais si pour faire tout ça, il y a des entités qui doivent le faire qui ne le font pas à temps, il est clair qu'il n'y aura pas de résultat et le taux de décaissement sera faible. Mais quand le taux de décaissement est faible, quand il n'y a pas de résultat, c'est qui est responsable? C'est l'unité de coordination du projet. Donc, le coordonnateur et par effet répulsoire, le chef de cellule. Donc, du coup, l'unité de coordination se trouve dans une situation de non-performance, mais en réalité, ce n'est pas directement, puisqu'il y a deux entités qui devaient donc intervenir. Donc, c'est pour cela que les coordonnateurs et leur équipe donc sont dans un souci permanent. Leur inquiétude, c'est comment mettre la pression en griffe sur les cadres de l'administration publique pour que ces derniers fassent leur travail avec célérité. Voilà, qu'ils ne prennent pas tout leur temps, qu'ils fassent leur travail avec célérité. Et ça, il y a vraiment une façon de faire. Au début de ma carrière de coordonnateur, bon, ça fait maintenant plus d'une décennie quand même, au début de ma carrière, j'ai connu des situations vraiment... Ces situations-là qui vous troublent, ça vous trouble parce que, en fin de compte, c'est vous et votre équipe qui allez subir les conséquences, n'est-ce pas, d'un échec éventuel du projet, par la non-reconduction de votre contrat, et ça met ainsi en péril votre carrière parce que si on rend ton contrat pour insuffisant de résultats sur un projet, tu peux t'inquiéter parce que, c'est pas évident qu'on te prenne ailleurs. Si tout son lit c'est pour résultats insuffisants, si on dit c'est pour mauvaise gestion, là c'est encore plus grave. Donc tu risques d'être blacklisté sans t'en rendre compte en fait, en réalité. Donc du coup, beaucoup d'inquiétudes pour ta carrière et donc pour l'avenir de tes enfants. Bon, sauf si tu as fait la consultance et autres, mais revenir sur le projet, ça va être compliqué. Donc vraiment, j'ai connu cette situation qui te trouble parce que tu dis qu'il faut que j'attende les résultats parce que si ça ne marche pas, je suis. Voilà, ça va être compliqué. Mais malheureusement, les formations qu'on suit souvent hein, dans les pays, à l'étranger, même au pays, sur la gestion des projets, ne nous préparent pas à ce cas de figure. On ne parle pas de... Ce que je vous dis, c'est du vécu, c'est la pratique. On ne parle pas de ça. Quand j'ai fait les formations, j'en ai fait hein, dans plusieurs pays. Bon, c'est la grande théorie, la grande batterie, etc. Mais sur le terrain, là, c'est ça. Sans que de vous parler de la pratique, de la réalité. OK? Donc... C'est ça le dommage hein, de cette formation. Maintenant, moi, en ce qui me concerne, j'ai mis vraiment du temps avant de trouver l'approche qui convenait à la situation. Donc, c'est tout ce que je vous demande, c'est d'être attentif. OK? De suivre ces différents lives-là. Et je me fais le plaisir de vous enseigner, surtout lors du webinaire, la bonne démarche, que j'appelle la démarche ARES. A-R-E-S. C'est ce que j'appelle la démarche en 4 étapes. Pour amener donc les cadres de l'administration à, n'est-ce pas, mettre à exécution, à traiter vos dossiers avec diligence. Certains ne comprenaient pas pourquoi je vous ai mis ce terme, mais maintenant quand je vous décris, vous comprenez que si tu n'arrives pas à gérer cette situation, ça va être compliqué. Donc, tout ce que vous avez à faire, vous, c'est de suivre les différents lèvres au fur et à mesure
jusqu'au webinar, et puis vous allez vraiment cette, vous aurez cette démarche. Mais déjà, pour vous mettre l'eau à la bouche, en quoi consiste donc la démarche ARES? ARES. Donc, assez tôt quand même, j'ai compris que en l'absence de pouvoir hiérarchique, tu n'as pas de pouvoir hiérarchique sur la direction. Et tu n'as pas de levier pour les motiver, puisque le bailleur ne veut pas payer de primes, hein, de motivation à ses responsables. Mais je me suis rendu compte quand même que je pouvais influencer en griffe leurs actions en faisant usage, n'est-ce pas, des règles simples qui gouvernent les relations humaines. Ok? Les relations humaines au cœur, n'est-ce pas, de l'action. Donc j'ai appliqué cette démarche en 4 étapes. Ok? J'ai pris des règles des relations humaines. 4 règles des relations humaines que j'ai combinées et puis j'ai appelé ça donc la démarche ARES. Et ça m'a permis vraiment de m'entendre avec les cadres de l'administration publique pour que les dossiers de mes projets soient traités avec diligence. Je suis maintenant à mon 7e projet. Projet sur les projets bailleurs, j'ai commencé en 2008. Voilà, je suis maintenant à mon 7e projet. Vraiment, je dis, c'est une démarche qui fonctionne. Donc, j'estime que ce sont des choses que je peux partager avec vous. Bien sûr, avec les années d'exercice, j'ai amélioré la démarche. Voilà. Et c'est tout ça que je vais vous enseigner lors du webinaire. C'est pour cela qu'il ne faut pas rater le webinaire. Il faut vous inscrire. Il y a le lien en haut, mais il y a le lien aussi qui est en commentaire. La participation est gratuite. Vous n'avez rien à payer. Tout ce que je vais faire, c'est de vous caler devant votre télévision. Pardon. avant votre téléphone, là, même dans la voiture, pour suivre, hein. Voilà, pour suivre. Même le jour du webinaire, je vous conseille d'être dans une salle tranquille pour pouvoir prendre note. Comme ça sera sur présentation PowerPoint, il va falloir prendre note. Tout ce que je vais faire actuellement, c'est vraiment de vous inscrire dans le groupe privé que j'ai créé. Le lien est en haut et en commentaire. Voilà, donc vous avez qu'à cliquer sur ce lien-là et puis vous allez rejoindre le groupe privé. C'est un groupe privé. C'est-à-dire, quand là-bas, on va commencer bientôt aussi à communiquer. Quand on écrit là-bas, ça ne sort pas. C'est seulement entre les membres du groupe privé. D'ailleurs, dans ce groupe privé, à un moment donné, ça va être la possibilité à des gens qui rencontrent des situations précises, qui peuvent être les leurs ou pas, poser, et puis tout le monde intervient, les membres du groupe interviennent en fait pour donner des idées. Parce que c'est à plusieurs qu'on est intelligent. Je n'ai pas la science infuse. Voilà, je ne maîtrise pas tout. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Mais j'estime que si au fur et à mesure vous constituez un groupe des gens qui ont une certaine expertise, il y a des choses qu'on peut partager entre nous. Donc c'est aussi l'un des objectifs pour ce groupe. Ce n'est pas seulement pour le webinaire. Même après le webinaire, il va rester. Ça va toujours s'appeler GESPRO. Et puis là-bas, bon, on pourra se donner des conseils. Okay? Donc, avant ce rendez-vous donc, pour le webinaire, on va voir, il va nous rester encore 4 lives. On a déjà vu 2. Il va rester 4 lives de formation. Et les thèmes vont concerner le bailleur de fonds, le supérieur hiérarchique. Donc, comment gérer son bailleur de fonds? Vous voyez là, aujourd'hui, on a dit qu'on va parler, je vais présenter le contexte et les problèmes que cela pose. La solution, je vais vous donner ça pendant le webinaire, de comment gérer les cadres de l'administration publique. On va faire la même chose pour le bailleur de fonds, pour le supérieur hiérarchique, comment faire respecter les procédures et comment gérer, conduire son équipe au succès. Mais ne sautez pas les lives pour dire je vais aller au webinaire. Parce que au webinaire, je ne vais pas revenir certaines choses. Je vais aller vraiment directement sur les solutions. Pour prendre le temps vraiment d'échanger avec vous. C'est pour ça que j'ai préféré faire des lives comme ça. Pour ne pas que le webinaire prenne 4 heures de temps. Vous voyez, c'est du contenu. On n'est pas là, on n'est pas en train de poser là. C'est du contenu que je vous donne. Si je dois faire tout ça pendant le webinaire, ça allait durer au moins 4 heures de temps. Et je sais que les gens ne sont pas forcément patients. Et puis moi-même, ça allait m'épuiser. Donc c'est pour ça qu'il est scindé comme ça. Donc il y a beaucoup de choses que je donne dans le live qu'il faut prendre en compte. Et puis pendant le webinaire, on attaque directement. D'accord? Donc, il ne faut pas rater le webinaire. Avant de nous quitter, je vais répondre donc aux questions que vous aurez éventuellement posées. Comme on le fait d'habitude, si vous avez des questions dans l'interface, je vais me faire le plaisir de répondre à ces questions. Donnez-moi juste quelques secondes, le temps d'arriver sur ma page. Alors. Voilà, j'espère que vous avez laissé des questions.
Si vous voulez que vos amis aussi puissent participer, il faut donc partager. Voilà. Ou alors, faut les taguer pour qu'ils puissent participer au webinaire, qu'ils puissent voir les lives et qu'ils puissent participer au webinaire. Alors, j'espère que j'aurai accès aux commentaires. C'est pas ça que je veux. Juste quelques secondes. Je ne vais pas regarder directement ici en fait. Je veux voir avec ma tablette là. Bon, merci pour ceux qui ont partagé. J'essaie de voir les commentaires, hein. Juste un peu de patience. Mais comme je l'ai dit, je veux me former, hein, dans ce truc-là. C'est-à-dire, quand tu finis ton live, comment voir directement, comment avoir... Parce que quand je clique sur les commentaires, hein, ça me mène dans le fil, mais je parle... Hein, donc, un volontaire... Pour me former dans ça. Je vais y arriver, ne vous en faites pas. Parce qu'il faut que je réponde à vos questions. Voilà, c'est bon. Ça y est. Alors, Monsieur Papsoulé Mbaye. Monsieur Papsoulé Mbaye, le Sénégalais? Parce que là, en Côte d'Ivoire, on cherche actuellement les Sénégalais. Hein? On aime les Sénégalais là, actuellement. Donc, merci à vous. Hein? Donc, il dit merci pour ce partage. Ça fait beaucoup d'intérêt que je vous suis. Alors, Andoman demande si, au manque de webinaire sur Zoom, est-ce qu'il sera possible de l'enregistrer et de faire une rediffusion? Ce ne sera pas sur Zoom, hein? Ça va être sur Facebook. C'est un groupe Facebook. Mais sauf que je vais utiliser Zoom pour pouvoir faire le partage d'écran et puis faire la présentation PowerPoint. Mais donc, le live sera en fait dans le groupe. D'accord? Donc, ce sera en ligne. Donc, pour ceux qui ne pourront pas participer, bon, ce serait dommage, mais ce serait toujours en ligne. Alors, Monsieur Chalana Akwedeji, il dit ce qui rentre aussi la sérénité administrative dans les procédures de gestion des dossiers et parfois l'inadéquation des personnes de ce secteur avec les profils auxquels ils sont rattachés. Cet état de choses amène les UCP à huiler les commissions de gestion des dossiers. Bon, de ce que je comprends, c'est que les personnes à qui on impute les dossiers ne sont pas les bonnes personnes. C'est ce que je comprends de son intervention. Bon. Comme je le dis, quelquefois, vous avez un dossier dans une direction donnée. Ce n'est pas à vous de choisir la personne à qui on doit imputer le dossier. Vous avez affaire au directeur, si c'est une direction, bien sûr. Vous avez affaire au directeur, si c'est une direction générale, donc au directeur général. Maintenant, c'est lui qui va imputer à son collaborateur. Mais ce que je vais justement vous expliquer pendant le webinaire, c'est de, ça va faire en sorte que vous êtes tellement en tandem avec les uns et les autres que vous pourrez tirer un peu les ficelles en griffe. Voilà. Donc, s'il y a un aspect qui ne vous arrange pas, vous aurez, n'est-ce pas, la possibilité, le moyen de les orienter autrement, en fait. Hein, Chalana, c'est un peu tout ça qu'on va voir. Mais je suis d'accord avec vous que quelquefois, bon, les gens n'ont pas le profil adapté. Alors, docteur Soro Silué, vraiment, il y a beaucoup d'obstacles liés à la frustration, les blocages voulus du point de vue de l'administration, surtout dans le processus de validation des rapports de personnes. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup, beaucoup de frustration. Moi-même, j'étais fonctionnaire pendant 10 ans avant de démissionner. Ben, parce que, justement, tant que j'étais fonctionnaire, je ne pouvais pas toucher mon salaire. Je ne pouvais pas être payé sur les ressources de la Banque mondiale. Donc, à un moment donné, j'ai fait le choix, n'est-ce pas, de démissionner de la fonction publique pour continuer à travailler sur les projets. Mais je ne dis pas que c'est le bon exemple. On peut rester dans l'administration et puis travailler sur les projets. Mais malheureusement, on n'arrive pas à trouver des éléments pour motiver, n'est-ce pas, ceux qui font ça.
Et je suis d'accord, ça crée beaucoup, beaucoup de frustration. Donc, encore une fois, pendant le webinaire, je vais vous donner des recettes, ok, pour que vraiment ces cadres-là, qui sont très compétents d'ailleurs, puissent vraiment faire leur boulot pour le bien de votre projet. Monsieur David Dido, quels sont donc les moyens de coercition dont bénéficie l'équipe projet pour faire respecter le timing de réalisation dans le cas où les fonctionnaires de l'administration publique boutent ou sabotent le projet? Mon ami, c'est clair, tu n'as aucun moyen de coercition. Ça, c'est clair. On a moyen de coercition lorsqu'on a une autorité, on a un pouvoir hiérarchique sur quelqu'un, mais qui n'a pas ce pouvoir. Un coordonnateur, il ne décide pas ni de la notation d'un directeur de la maison centrale, ni de l'augmentation des salaires, il ne décide de rien. Voilà, il n'a pas de pouvoir. Il a pouvoir sur les membres de son équipe, mais il n'a pas de pouvoir sur la direction, quelqu'un qui a la DAF, quelqu'un qui a la DMP, quelqu'un qui est au ministère des Finances, il n'a aucun pouvoir. Donc, il faut oublier même moyen de coercition. Pendant le webinaire, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Ok? Je ne vais pas en parler maintenant parce que pour le webinaire, ça sera tout un enchaînement. Voilà. Il y aura vraiment beaucoup de contenu. Alors, en Scandinavie, ce problème est réglé par l'obligation faite aux administrations de répondre ou prendre des décisions dans un temps bien donné. Et cela est inscrit dans la loi et le document global de gestion du projet. Oui. Même en Côte d'Ivoire, on a commencé ça, hein. Je crois qu'on avait sur le portefeuille Banque mondiale, bon, que je connais le plus, mais je travaille aussi sur le portefeuille AFD. Il y a beaucoup de textes maintenant où effectivement il y a un timing. Il y a des délais qui sont donnés aux acteurs clés, je vais dire ça comme ça. Donc coordonnateur, contrôle financier, agent comptable. Mais lorsque votre dossier se retrouve, bon, je crois que même à la DMP, ils sont donnés des délais. Mais prenons le cas d'une direction qui n'est pas ni la DMP, ni ce que j'ai cité. C'est-à-dire, il y a une direction qui doit, par exemple, travailler sur des normes. Voilà, disons ça comme ça. Il n'y a pas de délai. Donc, tout ce que tu as fait, toi, c'est de savoir user, donc, en toi, de ce que moi j'appelle la démarche ARES, là, pour amener les gens à faire le travail dans les délais. Sinon, effectivement, il y a des délais qui sont donnés ici. Je pense que chaque acteur vraiment fait l'effort de les respecter. D'ailleurs, j'ai interviewé le directeur du contrôle financier, je crois, il y a 2 semaines, qui a expliqué tout le processus. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de gestion de projets en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'améliorations. Quand le portefeuille Banque mondiale a repris en 2008, au temps du ministre Dibé jusqu'à maintenant, tous les ministres qui sont suivis font un bon suivi vraiment du portefeuille. Et puis, même les portefeuilles AFD, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'améliorations. Parce que, bon, il y a des délais, ok? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, il y a beaucoup, beaucoup de questions, mais là, ça nous fait 1 heure de live. Si je dois répondre à tout ça, on ne va pas finir maintenant. Donc, je vais prendre juste une dernière question. Et puis, comme on l'a dit, au prochain live, les 15 premières minutes, on va prendre donc, pour répondre aux questions. Donc, vous pouvez toujours poser vos questions hein, en commentaire. Et puis, je vais me faire le plaisir de répondre au début du live prochain. Donc, je cherche... Est-ce possible, Monsieur Leonardo Tolo Janahari, est-ce possible de demander un allègement de procédure imposé par le mandat de procédure au bailleur? Mais le mandat de procédure, comme je l'ai dit, ce n'est pas le bailleur qui l'impose. Très souvent, on met beaucoup de choses dans le dos du bailleur, inutilement. Le bailleur a son rôle, d'accord? Un manuel, il est fait par la partie nationale, bien sûr, discuter avec le bailleur, parce que c'est son financement, le bailleur doit approuver, n'est-ce pas, les procédures. Mais ce n'est pas un manuel du bailleur, c'est le manuel du projet qui a été élaboré. Souvent, c'est un consultant qui vient le faire, mais moi, je privilégie quand c'est fait par les membres de l'équipe projet. Parce que c'est la meilleure façon de s'en approprier. Et puis être sûr de sa mise en œuvre. Mais tu dis qu'il y a une étape où le bailleur valide. Mais une fois que c'est validé, ce n'est plus le manuel du bailleur, c'est le manuel du projet. Un manuel, il reste dynamique. Il n'est pas statique pour dire, ce n'est pas dans du marbre pour dire qu'on a fait le manuel, c'est comme ça, ça ne bouge plus. Non. On peut l'amender, on peut l'améliorer, on peut corriger. Mais il faut corriger, amender
selon les mêmes procédures que vous avez suivies pour son approbation primitive. C'est-à-dire, s'il y a des corrections à faire, vous proposez une version actualisée, une version révisée du manuel que vous soumettez au bailleur. Quand le bailleur valide, donc ça devient le nouveau manuel. Mais il ne faut pas aller faire des procédures qui sont contraires au manuel. Comme on dit, la loi est due, mais bon, ça reste la loi. C'est un peu ça. Si vous avez écrit dans le manuel que pour toucher ce téléphone-là, qui est là, je dois faire le tour de cette table, ce qui n'a aucun sens, n'est-ce pas? Parce que mon téléphone est là. Mais on me dit de faire le tour. Mais si c'est ce que le manuel dit, ben je fais le tour. Jusqu'à ce que je corrige le manuel, pour dire on fera plus le tour, ça va être devant moi ici, je le prends. Vous voyez, je caricature un peu. Mais ça, il faut soit approuvé par les mêmes canaux, par les mêmes étapes, les mêmes procédures qui ont prévalu à l'adoption première du manuel. OK? Donc, en clair, si vous estimez que votre manuel, vos procédures ne sont pas bonnes, ben il faut proposer des corrections. Voilà. Voilà, il y a vraiment d'autres questions, mais comme je l'ai dit, je ne vais pas vous prendre assez de temps. Je vous suggère donc de repasser en revue la vidéo et puis surtout de noter. Si vous avez des questions, venez les poser en commentaire. Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés, parce que je l'ai dit, le webinaire, c'est vraiment ceux qui sont intéressés par la gestion des projets. Ce n'est pas pour les curieux. Je veux dire, pour perdre le temps, non. C'est vraiment, on veut entrer en eau profonde. Dans ce cas, vous cliquez sur le lien pour être membre du groupe privé webinaire et puis on va donc se donner rendez-vous. Merci à vous. Le lundi, on va poursuivre avec le live 3. Je ne vais pas donner le thème parce que quand je donne le thème, après quand il change, on me dit « Ah, monsieur Bambo, vous avez changé. » Ben, je vous ai dit déjà les 6 qu'on va voir. Mais demain, il y a un rendez-vous aussi important. Je vais interviewer un de nos spécialistes en gestion financière qui est très bon, M. Ouattara Kwaku Germain. Je crois que ça lui fait plus de 10 ou 15 ans maintenant dans ce domaine. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la gestion financière, il faut être là demain à 16h sur ma page. Si ce n'est pas votre domaine et que vous n'avez aucun intérêt, il faut en parler quand même à vos amis qui sont comptables, qui sont financiers, qui ont fait Sciences Éco, qui ont fait des, voilà, tout ce qui est financier, qu'ils soient dans les unités de projet ou pas, et même vos amis du privé qui sont intéressés soit pour les projets de développement ou bien pour des projets d'entreprise, il faut les inviter. Demain, on va faire... on va interviewer donc cet expert-là qui va vous dire les dispositions pratiques à prendre pour réussir une bonne gestion financière d'un projet et qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir un bon taux, pour avoir un bon taux de décaissement. D'accord? Voilà, merci à vous. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et puis on se voit demain à 16h pour les financiers et puis les autres, ben, disons lundi. Voilà, merci à vous et puis bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.